Bien le bonjour les amis et bienvenue sur Frères la Galère Gaming. On se retrouve ce matin pour poursuivre notre aventure sur l'ordre dans ce Fallen. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Et on va passer en SMR, c'est-à-dire je vais parler pas trop en fait. La maison ici dort encore. Donc voilà. Allez, je vous montre. D'accord, c'est sur ce radier là. Petit café. Alors. Pas mal au fur et à mesure effectivement qu'on augmente la radiance, on en apprend plus. J'ai quelques armures à vendre. Alors, là j'avoue que je sais pas si ça nous apporte quelque chose. Hein. J'ai pas remarqué que ça faisait vraiment. Augmenter le café là. Je me demande si c'est pas plutôt sur le radier que ça se. La radiance, le brasier, putain. Que ça fonctionne. Parce qu'ils disent maîtriser mieux le brasier pour en savoir plus. Dommage. Et pourtant, quand je suis là, je vois bien qu'il y a des trucs qui doivent remonter là-haut. Mais bon. Ok, allez. Oula.
Ah, coucou Lolo. Ça va? Bien dormi? Je te fais le topo. Je sais pas si tu m'entends bien. Donc, nous avons battu un boss. Nous avons battu le boss. Hop. Voilà. Nous avons fait la ville hein, de feu là. Et donc là, tout à la fin, on avait un boss. Donc lui, on l'a battu. Alors, on l'a battu. Je sais pas si tu m'entends bien. Alors, on l'a battu en 3 fois. Donc ça va. Tant que je comprenne où il fallait que je me planque pour pas récupérer sa boule de feu. Et ensuite, donc, on a visité une autre partie de cette ville, mais qui elle était recouverte de flammes. Et là, c'était pas très très long pour déambuler, tu vois. Et on est rentré en fait dans là en haut à droite, dans une petite guérite qui nous a donné accès donc au quartier de Minier. Et ben là, je te donne en mille et mille, pardon. Hop. On est dans la mine. Donc voilà. J'essaye de voir par où passer. Là, on est plutôt sur la deuxième partie en fait hein, de la carte, c'est-à-dire à droite, parce qu'en fait, j'ai déjà fait toute la gauche à première vue, hein, entre guillemets. Et puis voilà quoi. Allez. Donc là, on est monté. Tout ça, on est monté. On a déjà fait ça. Par là, par là-bas, on a déjà fait. Là, évidemment, tu penses bien. Derrière les tonneaux, il y a un gars. Hop. Là, on a déjà fait, là, on a déjà fait, tu vois. Ça, c'est l'échelle que tu as vue sur le plan. Sur le plan-plan. Voilà. Avec le petit truc à ouvrir pour pouvoir passer. Hop. Sur la partie fermée. Qui était fermée d'ailleurs? Est-ce que c'est là? Ouais, c'est là. Le mec, il se souvient plus. Il se repère plus, quoi. Poupou là. Pardon. On peut mettre une graine. Thank you.
venir de là. Ouais, je viens de là. Ok. Et là, il y a un autre truc. Pardon. Hop là. Putain, c'est du poison ça. Merde. Je perds la life. Est-ce qu'il y a encore du poison si on passe en... dans l'ombral? Those overseer bastards! We told them this would happen! Ugh. Oh, they'll pay for this! Come on, swing those picks! Oh, just hold on, lads! We'll get you out of there!
Les là. Pas sûr d'où au bon endroit. Donc on peut mettre une graine. Pour être une graine. Combien il me reste, je sais rien. Bah 5. Allez, café. Réveil cognitif est un peu violent. Y a du monde là. Qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas si je l'ai tué. Il y a un truc là-bas, ok. Ah, je me doutais. Ah putain. Je vais nettoyer déjà. Ah d'accord, trouvé, je sais où on est. On a fait le tour, ok. On va ouvrir la porte. J'ai presque mis une graine pour rien. Parce qu'on se retrouve de ce côté-là. Et que le début du game, il est là. Allez.
quoi de prévu aujourd'hui, Lolo, pour toi? Donc ce soir, on va aller au ciné. Ok, donc ça, c'est bon là où c'est bon. Est-ce qu'on a un truc par là spécifique? Ah, allez. Pas le choix. Il y a lui là. Bien joué. Alors, je vais me faire couler un café, je reviens.
me revoilà. Allez, hop. Avec un petit café, tout ira mieux. Allez, hop, on y va. Ah oui, passer à la maison. Ah, ils sont gentils, ils m'ont mis juste là. La vigueur. Merci. Top. Oh yeah, putain. Ok. Le gros monsieur d'abord. Je ne suis pas gros. On va se mettre un peu de sacré sur l'arme. Ok. Merde. Qu'est-ce qu'il m'a eu là? Il était presque. Et un poupou là. Ok. Je réfléchis.
à voir ce qui va lui faire le plus de mal. J'aimerais bien essayer le feu juste pour voir ce que ça lui donne. Ok, donc là. Il y avait ça aussi. Ah bah s'il y a ça aussi. Pas duré longtemps là le combat. Ok, on va essayer de se concentrer. Hein. Il va falloir que je me fasse un peu de place pour pouvoir l'affronter. Alors. Ok. Quel con. Déjà, elle, on l'a pas. Bon, bah, tiens, regarde. Prends ça. Voilà. Ok. Ensuite, on va prendre ça. Attends, on va faire comme ça. Voilà. Ok. Ok, on a ramassé. Là, il y a une échelle, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Rien. Y a rien. Non. Allez. Thank you.
D'accord, on remonte là-dessus. Comment on y va là-dessus? Et puis t'as vu, il me montre pas. Okay, on peut sortir de l'ombrale ici et là on a un nouveau truc avec un gars. Ok, par contre comment on va là-bas et comment on peut avoir les gars en bas là. Ouais, j'arrive pas à les viser, les trucs là, qui flottent. Qu'une idée là. Tiens, il y a un levier ici. Je peux pas y toucher. Toi, lui, c'est pareil là-bas. J'arrive pas à... Non. Allez, on va remonter parce que là ça commence à s'exciter. Avant que la faucheuse elle arrive. Voilà. Alors, on est relà. N'empêche que je sais pas comment les récupérer eux là, moi. Ici. Ah, relolo. Ah, et ça c'est quoi? Ah, je peux tirer le levier cette fois-ci. Alors que je pouvais pas tout à l'heure. Oh mais non. Smart. Eh, c'est pas extra ça? Attends. Hein. Bon, bah du coup, je vais descendre. Hein. Pour récupérer les trucs là. Waouh, un nanodos. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses là? Ah, je vais aller activer le... Là, je suis reparti pour me balader en chantant la la la, mais... Je vais retourner. Hop. Voilà, on va activer lui, parce que sinon... Voilà. Non, je me repose pas tout de suite. Bon, on va discuter avec lui.
Where the hell's it gone? Whoever took it, I swear! This vestige, it marks where Catrin fell. She was a lamp-bearer, like you. But far more than that, she was my love. I left a token here, in her memory. A pendant I gave her a long time ago, and now it's gone! It's all I have left! C'est quoi? C'est la caisse d'épargne toujours tuée? Change. Hein. Catrin and I were both hallowed sentinels. It's hard to imagine now. She was astounding. We fell in love, and we embraced what we had, even though the order forbids it. They found out and made sure we paid for our change. Sin c'est with agony. Même. In the end, they thought we were dead. But it was only Catrin's heart stopped, and not for long, thanks to the Umbral Lamp. But even as a lamp-bearer, eventually there came a day when she fell. And didn't rise again. N'importe quoi, change. Va à la BNP. I'll find the bastard who took that pendant. You find them first, you tell me, understand? There'll be blood for this desecration. I'll find the bastard who took that pendant. You find them, there'll be blood for this desecration. Ok, allez, on retourne de l'autre côté. Change, nous, c'est ce qu'on a fait. Non, mais... Ah bon. Nous, la caisse d'épargne... quand on a voulu acheter pour ici, tout était bon, mais oui, monsieur Graziano, tout va bien, c'est nickel, vous allez voir, super, méga top, cool, génial, nickel, chrome. Et en fait, on est arrivé, et l'assurance, c'était je sais plus combien pour le prêt, enfin, c'était un truc de déglingo, et on est allé à la BNP, et eux, c'est une vraie banque, et voilà, donc, bon... Donc changer, aller voir un autre banquier, regarder avec un courtier, enfin tu vois, parce que enfin, c'est pas possible quoi, qu'ils vous prennent pour des cons comme ça. Ok. Ah ouais, ça c'est ce qu'on avait vu, ça nous fait remonter à l'étage supérieur de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Emmerder les gens pour 700 €, ça va bien quoi. Donc on retourne par là-bas. Ok. Bon, pour le moment. Incroyable. Incroyable, c'est grand, c'est banquier. Bon, évidemment, là, le raccourci, à mon avis, c'est par de l'autre côté. Attends, je suis bloqué contre la pierre, quoi. De l'autre côté.
Ok, bordel. Donc on a vidé le truc, ok. Là on passe dessous, on remonte sur l'échelle, ok. Pardon. Ah mais maintenant qu'on a relevé ça, peut-être qu'on peut passer de l'autre côté. On va voir. Tout à l'heure on pouvait pas, mais... Effectivement, on peut passer maintenant. Madame. Voilà, parfait. Ok. Petit joueur. C'est lui là? Salut, bienvenue. Il passait où? Meurs. Allez, bonne douche l'eau. Oh putain, on est revenu là? Waouh. À dans 2 minutes. Alors attendez. On se le retape après. J'ai 8000 âmes. On va monter d'un level. Ce sera pas plus bête. Bonjour, bonjour jeu toxique. Bienvenue. Bienvenue sur Frère la Galère. Installe-toi confortablement. Allez, hop, hop. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un peu de radiance, peut-être. Endurance, on est à 550. La vitalité, ça nous ferait prendre 15 de plus. On va se remonter un peu la vitalité. Cette fois-ci. Et après, on fera de la... Ok, alors... Du coup on y retourne. Il m'avait pas manqué ceux-là. Ah oui, c'est vrai que... Petit chien-chien. Ah mais... Et oui, je me suis pas reposé en fait. Hop. Allez, viens là. Voilà pour toi. Merde, il est pas mort lui.
Incroyable. Je m'attendais pas à aller voir là, cela là. Petit coffre. Armure de protecteur de souvenirs. Alors, qu'est-ce que c'est cette armure? Vraiment que je commence à regarder un peu. Protecteur de souvenirs. Ça peut être pas mal, hein. Allez. Bon là, à un moment donné, on y retourne. Ok. On va être obligé de monter de toute façon. Je peux pas aller de l'autre côté du tout. Première vue, non. Hein. Non, non. Première vue, non. Ça. Il y a un truc qui est protégé par un parasite. On l'a eu quand même. Parfait, qu'est-ce qu'on a là? Avoir des choses à faire dans l'ombral. Allez, oh putain. Qu'est-ce que... Oh putain. T'es sûr? Je m'attendais pas à ça. Thank you.
il a pris le focus. Ok. Est-ce qu'il y a une utilité à être dans l'ombral là? Pas sûr. Hein. Ok, là on va remonter. Merci. J'aime bien parce que je récupère que des trucs, que des runes dont j'ai pas besoin, que je peux pas utiliser. C'est beau, hein. Pardon. Allez. Voilà, on n'a pas besoin d'être dans l'ombral du coup. Boum. Alors. Donc là, je pense que ça nous fait aller là où on avait posé notre graine tout à l'heure, fais voir. Ouais, apparemment. Ok. Là on a de quoi descendre. Là on n'a rien d'autre. Ok. Là c'est de là où on vient. Me semble-t-il. C'est là d'où on vient. C'est bien ça. Ok. Tac tac tac. Putain, la cam c'est pas facile quand même. Allez, il retourne, s'égare. Ou pas d'ailleurs. Michel. Effigie maudite. Qu'est-ce que c'est que l'effigie maudite?
35 de force. Ah ouais, 72 de physique, mais il doit être super lourd. Ah ouais, 40 en poids. Ok, une arbalète. Ok, ça c'est les trucs du jeu. Ah bah c'est ça les figies maudites. Inflige des dégâts physiques, ok. Ah ouais, dis donc. Je vais essayer de... Non, ça c'est bon. Ce qui permettra de voir un peu plus aisément ce qu'on récupère, quoi. Ouais, il va vraiment falloir que je regarde un petit peu avec tout ce que j'ai récupéré si je peux pas améliorer un peu au niveau de mon équipement, mon personnage. Pardon. Tout en sachant que je suis un peu limité par le poids à cause de mon arme. Waouh, j'ai encore récupéré des trucs. Alors là, il faut être sur du brasier. Ok, ça c'est les cartes, ok. Là, j'en ai qu'une de celles-ci, il m'en faudrait plus, je sais pas où les trouver. Ok. Tiens, ça j'en ai une, c'est quoi? Ah! Ça, ça peut être intéressant. Ça, ça peut être super intéressant. Et ça me permettrait de virer l'autre truc que j'ai. Ok, ça c'est les teintures, on s'en fout. Ah, attendez, hein, je reviens. Et voilà, on est re-là. Hop, j'espère que vous m'entendez toujours bien. Allez. Bon. Poum, 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 poum. Alors, où je vais maintenant, c'est une bonne question. Là, on peut descendre par l'échelle, ok. De là-bas. Voilà, nous on vient de là-bas. Je pense qu'il va falloir qu'on aille là. Est-ce que je suis pas passé à côté d'un levier? Voilà, nous on arrive de là avec le gars là-bas. Qu'est-ce qu'il cherchait déjà lui? Je me souviens plus, un collier ou quelque chose comme ça, non? Tiens. On se voit pas de ce côté, évidemment. Je l'avais déjà vu. I'll find the bastard who took that pendant. You find them first, you tell me. Understand? There'll be blood for this desecration.
Ok. C'est bien ça, c'est un pendentif. Il n'a pas trouvé de pendentif pour le moment. Donc c'est bon. Allez, on y retourne. Poum poum poum. Donc voilà, là on arrive là. Lui on l'a ouvert, là on peut pas passer, donc on est passé par là. Ok. Là, c'est ok. Ok. Donc là on est descendu ici, ici il n'y a rien. Raté. Comment on peut y arriver là? Non. Non, non, non. Déjà passé par là, non? Merde. Pas comment l'atteindre le truc. Ok, on est reparti. M'énerver. Allez, il est où le toutou là? Ah.
coincé contre le mur, le mec. Regardez. Et là, il y en a un de l'autre côté. Bien passé. Je vais récupérer mes armes. Cette cam, putain. Ok, merci. Du poison. Oh merde, on va y arriver. Rien. Si vous y voyez quelque chose, dites-moi. Ouais, on est déjà venu par là. Mais on est passé par de l'autre côté. Ok. Ça c'est bon, c'est vu. Ok, donc ça nous intéresse pas. Sortir de l'ombrale. Ok, donc ça on l'a déjà fait.
là, il faut m'expliquer comment je peux arriver à sauter là. Alors, je vais quand même essayer, voir si c'est possible. Peut-être en roulant en fait. Peut-être en faisant comme ça. Ouais. Oh, attends. Bon, ça c'est une erreur que je viens de faire. Grosse erreur. Grossière erreur, ça dépend comment on le prend. On va voir un peu. Ouais, j'ai le truc là. Ok. Allez, on va essayer. Ah merde. Allez. Là, ça va même là. Allez. Putain. Incroyable. Allez, on va passer. Sorti. Parfait. Là on est pas mal, tac tac tac. Ici on monte, on va récupérer des armes. Là. Tant pis. On verra bien. Putain, j'avais pas vu. La balle de vieux. Voilà, super. Trouvé. On ramasse.
Ah ben voilà. Ok, je crois qu'on a tout fait là. Ouais, je crois qu'on a tout fait. Ah là, c'est ça. Alors, attendez. Sortir de l'ombral. Voilà. J'ai trouvé une clé, il me semble. Hein. Donc on va aussi pouvoir ouvrir la porte là. Ah merde, non. C'est quelle clé que j'ai trouvé? Ah, je l'ai vue celle-ci de porte, mais je sais plus où est-ce qu'elle est. Alors, sans doute revenir sur nos pas. Ok, on a trouvé un autre truc. Une autre carte. Ah oui, d'accord. On finit plus. Ouais, je sais plus où est-ce qu'elle est. Je crois qu'elle est au tout début, cette truc là. Ok. Passé. Là normalement on a nettoyé donc pas de problème. Voilà, donc là voilà, ça c'est ce qu'on a ouvert avec le chien qui est venu sur nous. Qu'est-ce qu'on a là? Rien. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Il n'y a aucune porte qui s'ouvre du bon côté dans cette turne. Ouais, il y a un quinquin, on l'avait vu. Oh mais...
coucher. Chier. Ben là au moins on sait qu'il y a un souvenir. Fatigue. Incroyable. Mais vrai. Incroyable, mais vrai. Eh bon, c'est bon. Ah là là. Putain. Allez! Donc on peut toujours pas passer par là. Thank you.
Alors attends. Mes âmes sont là, ok, à la bonne heure. Lui, il a ça. On va faire péter son truc. Voilà. Récupérer la vigueur. Arrête de loquer. On y passe par là, putain. Ah, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Hein. Ouf de chez ouf. Fais voir un peu. Est-ce que tu crois que je peux passer par là? Ok. Ensuite, là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ouais, on va faire ça quand même, hein, parce que j'ai pas envie de taper tout le truc de l'autre côté, là. Allez, hop. Oh non! Dégage! Voilà, merci. Merde! Non, c'est bon! Je l'ai eu! Oh, oh. Oh putain, je l'ai eu! Oh là! Oh l'horreur! Ok. J'imagine que c'est la clé de cette porte. Wow. Mais quelle histoire. On va l'améliorer. Un peu de radiance. Et est-ce que j'ai assez? J'ai pas assez pour l'améliorer une seconde fois. Ok, j'en peux plus. Putain. Je m'attendais pas à tomber sur un boss. Hein. Alors, fais voir, parce que là, on a vu que on pouvait peut-être passer par là. Ok, déloque. C'est ça. Oh merde. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Ouf.
Incroyable. Incroyable. Chose. Fais voir un peu. On va utiliser un baume pour les récupérer nos âmes et pas passer. Alors oui. Oh la vache. Ok. Tiens, j'ai un nouveau truc là. Alors, attendez. Hop, qu'est-ce que c'est ça? Pierre sombre et lisse, maîtriser le brasier pour en savoir plus. Ok, on se met pas quoi. Donc, on va faire comme ça. Ok, et on y va. Ah ouais, mais il y a toute une partie là. Ok. Merde! Quel con! Quel con, putain! Ok. C'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Sortir là. Je suis où là, bordel? On va ramasser ça. Ah, vous êtes... T'es con. Non, effectivement, moi, je suis pas Maxime. Putain. Eh, merde. Il était chez Marie Pachère, d'accord. Il était protégé. Ça fait chier. Ok.
Quel enfer ce truc là. Allez, hop, t'es bête l'eau. Overrun de ce côté-là, non. Par contre, est-ce qu'on serait pas plus bas par là-bas? Je sais pas. Mais non, on est bien plus loin. On est bien plus loin. Ok. 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 Par contre, on s'en fout un peu. On va courir. De l'ombrale de seconde. Voilà. Boum. Il est là, Coco. Ouais, je suis bloqué contre le truc. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Impossible, impossible. Celui-là, en plus il est protégé. Ouais, lui c'est formalité. Voilà. Allez. Oh putain. Ok, ensuite. Mais il y a trop de monde. Putain, mais fais chier. Putain, j'ai perdu mes armes. Ça me casse les couilles. Putain. C'est fait. Merci et ravi que ça vous plaise.
Ja. Ça, on l'a touché, on ne sait pas ce qu'on a fait, mais on l'a touché. Là, malheureusement, la vigueur dans la guerre. Non, ça va. My friends, I know the journey here was arduous. And that since arriving in Mornstead, we have suffered much. But take heart, for are we now not within reach of Adir himself? Do we not walk among the Rolgar, our most holy brothers and sisters, born of Adir's very own divine marrow? Those heretical servants of the betrayer, Judge Cleric, they have driven us into the shadows. But are we not used to being condemned? And hunted simply for our beliefs? Rest assured. Finally, the time of Adir's righteous return is nigh. And we who have remained faithful will be here to witness usher in his glorious second reign. Allez, putain. Passé. On s'en fout. Là, on n'est pas passé par là. Oh putain, je vais y arriver.
Allez, sors de l'ombre là. Waouh. De l'autre côté. Racine impassible. Ah, voilà le raccourci qui rallonge pas. Ouf. J'ai ouvert la porte, donc je devrais pas être très loin du truc, mais... Ok. Merde, c'est de l'autre côté. Alors attends, là on a fait ça. Là ça va où? Alors on monte, ok. Excusez-moi, hein, mais je cherche un peu. Où aller? Ah, quel stress. Tellement de trucs. Espèce de radeau. Non, ce n'était pas le radeau. Où je vais là, hein. J'y vais. Ah. Va falloir acheter de la caillasse. Voilà, mais déjà 10h et quelques. Qu'il n'y ait pas de... Qu'est-ce que c'est encore que ça? Non mais... Non, je t'ai plus, la cour est pleine, hein. Abîme de la révélation, ok. Ok. Non. Hein.
là on peut sortir de l'ombrale. Parce qu'on va sans doute être obligé d'y passer. Oh là là. Ce jeu il est fou. Regardez tout ce qu'il y a là encore. Non non mais complètement dingue. Ah, ah ouais, on va mettre un. On va mettre un truc. Qu'est-ce que c'est ? Article de journal incohérent. Non, article de journal incohérent, on doit l'avoir dans l'inventaire, dans les papiers. Article, ses notes et esquisses trahissent. Une main visiblement plus instable que d'ordinaire. Le texte de Tacitus est parfois embrouillé et incohérent. De nombreux yeux sont griffonnés, dans les marges, et le centre du croquis semble être un abîme béant. Ok, ah voilà, qu'est-ce que c'est ça? Cette scie rouillée ensanglantée intervient dans un dans certains rituels consacrés à Adir. Ok. Ouais, faut le brasier évidemment. Waouh, eh ben, Jésus Marie Georgette. C'est un peu fou tout ça. Je sais pas. À dire vrai, j'en sais rien parce que j'ai l'autre, il est là-haut et il est pas si mal placé que ça. Je peux pas voir les différents trucs que j'ai placés. Hein. Que ça on connaît. Gage. Petit coup de pied. Faire comme ça lui. Je me doutais que possiblement il y en aurait un pour nous arracher.
Ok. Il vaut mieux. Bon, je pense qu'on n'aura pas de possibilité tout de suite de sortir de là. Donc, allez, tant pis. On a tout le haut à faire et tout. Wow, wow. Est-ce que j'en ai un autre là? Première vue, non. Là, j'ai un souterrain. Ok. C'était sûr, hein. D'autres là? Non. Putain. Donc là, ça nous fait remonter. Oula.
Ok. Ouais, c'est bon, j'ai compris. J'ai pas complètement teubé. Parce que je comprends pas. Je me disais qu'on aurait pu avoir cette plateforme là. Mais pas du tout, hein. Ok. Mais que dalle. Les trucs parce que c'est l'échelle qu'on n'ait pas des trucs à débloquer. On l'a déjà pris. Ok, tout va bien. Eh ben. Ok. Ouais, non. Donc là, on a une échelle qu'on vient de jeter. Et là, c'est juste un trou. Ok. Et ben donc, on n'a pas trop le choix. Hein. La suite est par là. Quand même, hein. Donc là il y a rien, c'est bien par là. J'entends pas de coups de marteau. C'est fou. Franchement, c'est dingue.
Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, d'accord. Ok, c'est là où j'ai mis mon truc. C'est un hutin de labyrinthe. Je vérifie juste hein, que c'est bien par là qu'on est passé. C'est bien par là. Ouais, c'est ça. Nous, on arrive de là-bas. C'est ça. Ok. Ok, ok. Allez, on est parti. Enfin, plutôt, on y retourne. Hop. 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 Donc là, qu'est-ce qu'on a dit qu'il y avait rien hein? Non, là, il y a rien. Ok. Oui, c'est bon, on en vient de là. Ouais, ouais, ok. On en vient. Hop. Allez, hop. Eh ben, dis donc, 2 heures de jeu, quoi. Incroyable. Voilà, donc là, on avait passé notre truc. En bas, il y a une échelle. Échelle à Tata Rachel. Enfin, c'est juste fou. Bon, les amis, on va se quitter là. Ça fait quand même 2 heures qu'on est en live. Et que ben je vais faire un petit peu des choses sur cette journée. Voilà, oh là 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 là, ben voilà, ça y est, c'est ça qu'on a récupéré. Il va falloir descendre dans ce gouffre. Alors, ouais, donc là, on l'a pas pris, hein, l'ascenseur, on est descendu. D'ailleurs, c'est sans doute là qui nous montrait à droite là. Avec la petite croix, c'est sans doute ce qui nous montrait hein, qu'il fallait descendre aussi. Donc là, ben ouais, on est en train de descendre là-dedans. Je sais pas pendant combien de temps on va descendre, mais on descend. Voilà, bon les amis, on va se quitter là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse. On va se faire une petite sauvegarde quand même. Voilà. Je vais vous souhaiter de passer une bonne journée. Une bonne et agréable journée. Et puis, ben, écoutez, la suite de l'aventure dans le week-end, si j'ai le temps. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite encore une fois une bonne journée. Et puis, à tout bientôt sur Frère La Galère Gaming. Bye à tous. Ciao, ciao. Allez, on coupe. Ah ouais, 2h30 quand même. Il faut dire que je me suis mis en live à 8h ce matin.